Normalement, vous n'allez pas devoir crier dans la rue, on a trouvé ça, il nous faut de l'argent. Ça devrait pas se passer comme ça. Ça devrait pas se passer comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Pour valider la découverte et continuer les tests, passer du in vitro au in vivo, l'argent manque. Ni la ministre de la Recherche, en visite à Pasteur à la fin du mois de mai, ni la banque pour l'investissement sollicité ne réagissent. Alors que les attentes pour un traitement sont énormes, les pouvoirs publics semblent absents, malgré les apparences et les discours. Le Premier ministre n'a pas choisi la métropole au hasard. À Lille et dans ses environs, l'épidémie reprend. Opportunément installé sur les trottoirs de l'Institut Pasteur, un centre de dépistage attend la visite programmée de Jean Castex. L'occasion parfaite pour Benoît Desprez d'aborder le Premier ministre et partager leur découverte qui peut, comme il en est persuadé, changer la nature du combat. Il n'est pas prévu qu'il rentre voir les laboratoires de recherche. Il est là pour, finalement, observer un centre de dépistage efficace qui est fait sur le trottoir de l'Institut Pasteur de Lille. On était un tout petit groupe autour de Jean Castex et on lui a dit « on a découvert une molécule ancienne et qui présente un profil vraiment très intéressant comme traitement dans la Covid ». Et au moment où on a parlé de traitement, de découverte de traitement à l'Institut Pasteur de Lille, Jean Castex s'est complètement entouré d'un mutisme complet, le regard fixe, une attitude qu'on a comprise comme « je ne veux pas en entendre parler ». Je me suis dit, mais si le Premier ministre ne fait pas la démarche de nous aider, qui va le faire ? Je pense que nos autorités politiques s'étaient un peu brûlées avec l'hydroxychloroquine, il faut le dire quand même. On était en guerre, on a porté une nouvelle arme. Et je m'attendais, à ce moment-là, à ce que nos gouvernants prennent la main. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous disent « c'est bien ce que vous avez fait, peu importe. Maintenant, comment on peut vous aider ?» On ne devrait pas se poser, au moment d'une pandémie, la question des moyens et de la mise en œuvre. Or, c'est ce qui s'est passé. Clinique, l'Institut Pasteur de Lille doit d'abord collecter 5 millions d'euros. Tout ça en gardant secret le nom de... À 7h45, donc, j'avais cette interview à une heure de grande écoute hein, sur Europe 1, où j'ai sorti le chiffre du besoin financier pour l'essai clinique, 5 millions. Je suis dans mon bureau, je reçois un coup de fil. Et là, c'est on me parle de Louis Vuitton, LVMH. C'est le secrétaire général. Qui demande à parler à Benoît Desprez. Il m'a dit comment est-ce qu'on peut vous aider Donc j'ai décrit la situation, j'ai décrit l'essai clinique que nous avions en tête, l'utilisation des fonds que l'on ferait. Et il m'a dit, on va rédiger un brief pour Bernard Arnault. Il m'a dit, le brief doit être prêt pour 14h parce que je vais voir Bernard Arnault à 14h. Et à 16h30, j'ai reçu un autre appel du secrétaire général qui me disait « J'ai trouvé 5 millions sur ma route, est-ce que vous les voulez ?» Et bien sûr, j'ai dit oui.